Moyen-Âge est une période de l'histoire qui, bien que mal connue, constitue une véritable charnière entre le passé, et parfois très lointain, et l'époque moderne. Il est également le lien entre l'Occident et l'Orient, dont la civilisation nous a légué de véritables trésors philosophiques, scientifiques et autres. Mais situons d'abord les choses sur le plan géographique, économique et social. L'Europe des XIIe, XIIIe et XIVe siècles serait absolument incompréhensible sans, d'une part, l'hérésie cathare et d'autre part, la puissance des Templiers. Ces deux ordres, quoique très différents l'un de l'autre, ont pourtant bien des points communs. Et il est peut-être regrettable que la plupart des historiens n'aient pas ressenti les liens qui pouvaient les relier. Même époque, même secret, même trésor, même rayonnement, et puis même fin tragique, causée par la haine des puissants, les rois et la papauté. Deux civilisations bien différentes et souvent opposées existaient de part et d'autre de la Loire. Au nord, c'était le royaume du roi de France, une féodalité puissante avec une bourgeoisie encore très faible. Tandis qu'au sud, c'était l'Occitanie avec une bourgeoisie puissante et une féodalité considérablement affaiblie. Autrement dit, l'inverse. C'est ce qui va nous permettre d'expliquer pourquoi certaines idées se sont développées dans cette société ouverte du Sud, où les villes étaient plus nombreuses et plus riches, où le commerce avait pris une grande importance, où les serfs étaient affranchis, où les femmes participaient à la vie publique, où les juifs pratiquaient librement leur religion et créaient de grands centres d'études d'où allaient naître les universités. Et tout cela dans un certain esprit de tolérance et d'égalité, tandis qu'au nord, c'était l'esprit guerrier, avec une hiérarchie sociale dans laquelle chaque groupe occupait une place bien définie, assignée par la toute-puissante Église catholique. Et bien entendu, ces guerriers convoitaient les richesses de l'Occitanie, dont même la langue les séparait. Car en effet, on parlait la langue d'Oï au nord de la Loire et au sud, la langue d'Oc, laquelle était aussi parlée en Espagne jusqu'à Barcelone. Ainsi vont apparaître d'étranges coïncidences entre deux courants de pensée véhiculés l'un par les cathares et l'autre par les templiers. Les uns et les autres nous ont en effet transmis bien des énigmes. Ces énigmes, nous allons essayer de les examiner, de les comparer, et peut-être de proposer des solutions qui peuvent paraître fantastiques. Comment en serait-il autrement, lorsque le fantastique est lié à l'histoire, et qu'il prend souvent naissance dans une spiritualité inspirée de traditions venues de la nuit des temps? Tout d'abord, une question. Qui étaient ces cathares? Eh bien, tout simplement, des gens qui firent d'une théorie religieuse leur raison de vivre et de mourir. Dieu, qui est bon, n'a pu créer que le monde spirituel, le monde matériel étant l'œuvre d'un Dieu mauvais. Autrement dit, dans le monde, rien n'est bon parce que ce n'est pas le Dieu bon qui a créé ce monde-là. Naïveté, simplicité, c'est possible. Mais d'où venaient ces idées? Eh bien, d'Orient, tout simplement. Déjà au 7e siècle avant Jésus-Christ, en Perse,
les disciples de Zoroastre soutenaient que le monde était l'objet de l'antagonisme de deux dieux. Ormuz, dieu du bien et de la lumière, et Ahriman, dieu du mal et des ténèbres. Plus tard, au IIIe siècle de notre ère, un autre réformateur religieux du nom de Mani, ou Mané, enseignait que l'esprit et la matière s'opposent comme le bon et le mauvais, et cela dans une pensée tout à fait manichéenne. Cette philosophie pénétra en Égypte, en Afrique du Nord, en Inde, en Chine. Déportés, plus tard, en Bulgarie, les manichéens d'Orient devinrent des bogomiles, c'est-à-dire amis de Dieu. Un bogomilisme qui se développa au point de devenir religion d'État au XIIIe siècle. La France n'y échappe pas. Et c'est en Languedoc, en effet, que ce bogomolisme se fixe au retour des chevaliers occitans partis pour la deuxième croisade en Terre Sainte en 1147. Nous l'avons vu, cette région possède une civilisation raffinée, ouverte aux influences qui viennent par la Méditerranée. De leur côté, les nobles ne sont pas mécontents de voir naître une hérésie qui va affaiblir l'autorité de l'Église. Celle-ci est souvent composée de clercs dévoyés et cupides, qui contrastent magistralement avec la façon de vivre des parfaits. Et oui, les cathares se font appeler parfaits, ce qui en Languedoc signifiait aussi ordonné. Les parfaits et les parfaites étaient ceux qui avaient reçu le consolament, équivalent cathare de l'ordination. Les femmes pouvaient donc exercer le sacerdoce comme les hommes. Il y en eut même de célèbres au cours de l'épopée cathare, citons Esclarmonde de Foix, Galarda d'Elmas et bien d'autres encore. Il ne nous est pas parvenu de textes bien précis pour nous permettre de connaître tout ce qui constitue la doctrine des cathares. À ce sujet, les historiens et les spécialistes sont bien loin d'être d'accord. Seules les grandes lignes de cette doctrine qui nous indiquent que le Dieu bon voulut autrefois sauver les anges déchus et leur montrer le chemin du salut. Il décida d'envoyer vers ses mauvais anges l'un de ceux qui lui étaient restés fidèles. Il confia donc cette tâche à Jésus, qui n'était pas Dieu, mais un ange de Dieu ou un envoyé de Dieu. Selon eux, le corps de Jésus n'était qu'une apparence, car cet ange ne pouvait avoir aucun contact avec la matière impure et ne pouvait pas non plus naître d'une femme. Pour chaque humain, après plusieurs incarnations, le corps, pensait-il, doit être abandonné à Satan, ce qui permet à l'esprit de remonter vers le Dieu bon. De cette doctrine, les cathares tiraient des conséquences multiples. La chair était impure, et seul le régime végétarien était admis. L'œuvre de chair et la procréation qui perpétue la matière constituaient des actes inacceptables. Ils ne pratiquaient pas le baptême par l'eau, car l'eau n'était que matière. Plus grave fut encore leur position par rapport à la croix. Pour eux, ce symbole signifie que le Christ avait souffert dans son corps matériel et impur. Ils refusaient donc de faire le signe de la croix, ce qui facilitait la tâche des inquisiteurs, qui, pour démasquer les cathares, leur demandaient ce geste sur leur cœur. On a même porté cela sur les textes d'accusation lors du procès.
L'Église ne pouvait donc s'inquiéter de la prolifération du catharisme et de son succès qui compromettait l'ordre de la société médiévale et menaçait la toute-puissance de la papauté. Depuis son introduction en Occitanie, le catharisme a pris une telle importance qu'en 1167, un concile cathare se tient à Saint-Félix de Lauragais, alors Saint-Félix de Caraman, près de Toulouse, et cela sous la présidence de l'évêque bulgare Nikita. À partir de là, l'Église cathare est renforcée par l'ordination de nouveaux évêques, la création de nouveaux diocèses et l'harmonisation de certains points de la doctrine. Pour sa part, l'Église d'Occitanie est alors divisée en quatre diocèses qui sont Toulouse, Agen, Carcassonne et Albi. C'est d'ailleurs sous le nom d'Albigeois que les historiens désigneront les cathares. 13 ans passent et en 1180, le pape Alexandre III commence alors à lancer l'anathème contre les cathares et leurs protecteurs. Il fait prêcher une croisade contre les cathares occitans, mais n'obtient pratiquement aucun succès. Mais en 1198, arrive Innocent III, surnommé le pape de fer. Cet homme orgueilleux, intelligent et autoritaire fait sillonner le Midi cathare par un moine espagnol, Domingo Guzmán, qui sera plus connu sous le nom de Saint-Dominique, et qui déjà brandira la menace d'une guerre, alors que le pape excommunie le comte de Toulouse, Raymond VI, qu'il accuse de tolérer dans ses états la liberté religieuse. Raymond VI est bon catholique, forcément, car il dépend de Rome. Mais la majorité de ses sujets est favorable au catharisme. Et c'est ainsi que commence un épisode qui va favoriser le projet d'intervention armée de la papauté contre le catharisme. Pour cela, le pape Innocent III s'est assuré le concours de barons français, lesquels s'empressent d'afficher leur zèle catholique, mais surtout de faire main basse sur les richesses d'une région qu'ils appelaient le pays de Cocagne. Oui, en effet, l'expression vient d'ailleurs de cette époque. Voyons les faits. Au matin du 14 janvier 1208, le légat du pape, Pierre de Castelnau, s'apprête à rentrer à Rome. Il va quitter la grande cité médiévale de Saint-Gilles. Il est visiblement soucieux. La veille, il a eu une entrevue orageuse avec le comte de Toulouse, dont il exige la soumission au pape. Il est encore sur le territoire du comte de Toulouse et aperçoit, bien rangé, sur le petit Rhône, les barques assemblées pour son passage. Mais attention, sur l'autre rive, ce sont les terres du comte de Provence. Et soudain, dans un nuage de poussière, des cavaliers surgissent et injurient le prélat. Tout se passe alors très vite. L'un de ces cavaliers frappe le légat du pape d'un violent coup de lance en criant « Souviens-toi du comte de Toulouse !» C'est la confusion. Les agresseurs s'enfuient tandis que Pierre de Castelnau s'effondre mortellement blessé en murmurant « Dieu te pardonne comme je te pardonne. » Ce meurtre, disons-le, intervenait au bon moment pour permettre au pape Innocent III d'entreprendre sa croisade contre les Albigeois et aux seigneurs français d'y participer allègrement. De là à déduire que le rusé Innocent III n'était pas tout à fait étranger à l'assassinat de son légat. Il n'y a qu'un pas. Et la preuve n'en a cependant jamais été faite. Dès lors, Raymond VI fera tout son possible pour sauver ses sujets et ses terres. Il viendra même à Saint-Gilles demander pardon au pape. En chemise et la corde au cou, il fera amende honorable et se fera fouetter publiquement avant de jurer obéissance. Ce sera en vain. Alors que Raymond VI se soumet, avec bon nombre de ses vassaux,
le jeune vicomte de Béziers, Raymond Roger Trincavel, refuse, lui, de se soumettre et de livrer ses sujets, qu'ils soient cathares ou pas. Et c'est alors l'invasion du Languedoc par les croisés venus du Nord, lesquels, en juillet 1209, franchissent l'Hérault et, par Saint-Tibéri, se dirigent vers Béziers. Certains chroniqueurs ont évalué cette foule à 500 000 personnes, mais des recoupements d'historiens permettent de l'évaluer à 50 000, ce qui n'est déjà pas si mal. Béziers donc s'apprête à résister, tandis que le jeune vicomte Raymond Roger Trincavel quitte la cité avec les Juifs pour aller chercher du secours à Carcassonne. À Béziers, où il n'y a que 222 parfaits, les habitants sont solidaires, cathares et catholiques, tous veulent défendre l'intégrité de leur ville. L'armée des croisés, elle, s'est répandue dans la plaine de l'Orbe, et nous sommes le 22 juillet 1209. Tout se passe alors très vite. Bourgeois de Béziers et croisés sont mêlés. C'est alors un mélange confus d'assaillants et de défenseurs qui se présentent devant la porte Saint-Jacques. C'est donc une mêlée confuse qui pénètre dans la ville, laquelle, déjà à moitié prise, est soumise au pillage et au massacre. La cathédrale Saint-Nazaire brûle. Dans les rues, c'est l'affolement, la panique, la terreur. L'église de la Madeleine regorge de fidèles, mais c'est le massacre. Aux soldats qui lui demandent comment distinguer les catholiques des hérétiques, le nouveau légat Arnaud Amaury répond au milieu de la tuerie: « Allez-y, soldats, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. » Parole effroyable, parole historique. En fait, c'est au moins 15 000 personnes qui moururent dans cette effroyable tragédie. Après la prise de Béziers, les croisés se donnent pour chef un seigneur de l'île de France, Simon de Montfort. Un guerrier très valeureux, certes, mais d'une cruauté sans borne. On raconte qu'un jour Abraham, dans le département de l'Aude, il fit couper les lèvres, trancher le nez et arracher les yeux des défenseurs de la ville. Il laissa seulement un œil à l'un d'entre eux afin qu'il puisse servir de guide aux autres. Le 15 août 1209, c'est la prise de Carcassonne. Et à partir de là, tout va très vite. Dès lors, les massacres succèdent aux massacres. En 1210, c'est la prise de Minerve. En 1211, la prise de Lavaur. Et pour pas de Lavaur, Simon de Montfort, qui a fait appel à des croisés allemands, fait exterminer 80 chevaliers occitans pour ensuite livrer Dame Giralda, la châtelaine, à ses soldats, lesquels, après l'avoir violée, la jettent vivante dans un puits, et qui compte ensuite de pierre jusqu'à ce qu'elle cesse de crier. La lutte se poursuit dans tout le midi, où les châteaux sont nombreux et puissants. Eh bien oui, de ces châteaux, il en reste encore. Par exemple, ici, nous avons le château de Puyvert. Mais on s'en rend compte, sa tour d'accès, apparemment intacte, il mériterait d'être un petit peu restauré sur les tours, on le voit aussi. Mais disons que ce château de Puyvert a encore assez bonne mine sur son rocher. De même que le château d'Alette, que nous voyons ici et qui est construit au sommet d'un éperon rocheux. Quand on arrive par la route, voilà comment on l'aperçoit. Avec ses deux tours de défense et ses mâchicoulis, apparemment intacts, eh bien, disons qu'il a encore assez bonne mine, lui aussi, ce château d'Alette. Mais par contre, nous n'en dirons pas autant de fenouillés, qui n'est, comme on le voit, que ruine impossible à restaurer. Un petit château qui devait être bien curieux, au sommet de ce petit rocher, bien curieux lui aussi,
Mais disons qu'hélas, il n'en reste plus rien. Quéribus, pas très loin de Perpignan, qui est le mariage de la pierre sauvage et de la pierre taillée. On le restaure, on le voit aux échafaudages, pour essayer de le conserver le plus longtemps possible. Comme on le fait encore pour Père Pertuse, que nous avons ici. Mais cette pierre percée de Père Pertuse, elle en cherche encore. Puis Lorenz, fantastique nid d'aigle, à l'architecture toujours très impressionnante. Mais encore une fois, nous n'en dirons pas autant de la tour à côté de Mazamet, où il ne reste, on le voit, que les quatre tours de défense et en assez piteux état. Eh bien, nous reprenons ici l'épopée sauvage de Simon de Montfort. Dans une première phase, Simon de Montfort va de succès en succès. Il inflige d'ailleurs, le 13 septembre 1213, à Muret, une cuisante défaite à Raymond VI et à son allié, le roi d'Aragon. Mais il n'en est pas de même pour Foix, où les habitants et les soldats parviennent à faire reculer le redoutable Simon de Montfort. Alors tout s'accélère. En 1215, ce dernier s'empare de Toulouse, mais l'année suivante, et réconforté par les éclatantes victoires de Raymond VI en Provence, les Toulousains se soulèvent en masse et dès 1216, le comte de Toulouse rentre dans sa ville. Sa ville qui est d'ailleurs défendue par toute leur population, y compris les femmes. Ben, c'est en effet un groupe de Toulousaines qui, le 25 juin 1218, s'empare d'une catapulte. Et des écrits de cette époque nous apprennent que c'est un de leurs boulets qui écrasa la tête du cruel baron. Mais la croisade n'est pas interrompue pour autant. De plus, les rois de France, pour des raisons plus politiques que religieuses, décident de se joindre à la croisade contre les Albigeois, tel Louis IX, lequel devint Saint-Louis. Pendant ce temps, le pape Grégoire IX charge les dominicains d'appliquer l'Inquisition. Les tribunaux se renforcent, les condamnations se multiplient et les bûchers sont de plus en plus nombreux. Cette Inquisition avait, disons-le, des pouvoirs répressifs pratiquement sans limite. Si bien que les condamnations étaient presque toujours sans appel. On modifiait même les déclarations des détenus pour mieux les accuser ensuite. Par la torture, on obtenait alors tous les aveux que l'on désirait. Tout fièrement, les dominicains s'appelaient eux-mêmes dominicanes, que l'on pourrait traduire par chiens de Dieu. Ces chiens de Dieu constituaient une sorte de meute spécialisée dans la chasse à l'homme. C'est d'ailleurs pour leur fanatisme qu'ils avaient été choisis par Grégoire IX. Dénués de tout respect humain, ils s'en prenaient même aux morts, dont ils faisaient brûler les ossements lorsque ceux-ci étaient soupçonnés d'avoir été des hérétiques. Comme quoi, personne n'était à l'abri de la croix et du glaive. Mais à Toulouse, la révolte commence à gagner les esprits. Et en 1235, les capitouls font chasser par la force les inquisiteurs et les dominicains, ainsi que l'évêque catholique lui-même. Pendant des années, la haine se déchaîne. Et l'histoire rapporte que c'est Raymond VII, en 1242 à Avignonnet, dans le Louvragais, qui ordonna le massacre de 11 inquisiteurs dans leur lit. Toute la population salua cet exploit et les cloches de la ville sonnèrent, agitées, dit-on, par le curé catholique lui-même. Mais la lutte est trop inégale. Dans tout le midi, les tribunaux de l'Inquisition condamnent et brûlent. Les cathares jouissent toutefois de l'appui des populations. En effet, en 1204, ils ont fait reconstruire un château qui, pour eux, et puis un temple qu'une citadelle. Et ce château, c'est le château de Montségur.
Ce château, situé à 1200 mètres d'altitude, sur une montagne escarpée, dans un paysage sauvage du pays de Foix, appartenait à Esclarmonde de Foix, malgré que celle-ci, dit-on, n'y ait jamais mis les pieds. Sous un aspect de forteresse, se dissimulait pourtant l'architecture ésotérique d'un temple. En effet, la reconstruction totale du château avait été confiée à l'architecte Arnaud de Bacalaria. On pense que la forme architecturale fut davantage édictée par des impératifs astronomiques que par des raisons militaires. Ce qu'il indique, c'est que tous les points caractéristiques sont disposés de telle sorte que le château est orienté sur les quatre points cardinaux, sur les deux solstices et sur les deux équinoxes. Ainsi, quatre fois par an, les meurtrières sont simultanément visitées par les tout premiers rayons du soleil. Et l'on voit alors comme des aiguilles de feu qui traversent le château de part en part. Ce château est en réalité un réceptacle de la lumière solaire. Quatre fois par an donc, on pouvait assister à une sorte de ballet d'ombre et de lumière. La lumière chassant les ténèbres, autrement dit la victoire de Dieu sur Satan. Et puis, regardons la forme pentaculaire du château. Le pentacle des cinq côtés était considéré, ne l'oublions pas, comme l'expression ésotérique et initiatique du manichéisme. En fait, toutes les images manichéennes se cristallisent dans le château de Montségur qui devient ainsi le plus grand symbole de la pensée cathare. Et ce qu'il y a d'étrange dans tout cela, c'est que cette montagne sur laquelle est bâti le château avait déjà autrefois servi aux Celtes, qui sont les premiers occupants de cette région, pour y établir leur culte solaire. Comme si ce Pog était prédestiné à demeurer à travers les siècles et les siècles un lieu de prédilection pour les cultes solaires. Ainsi donc, et on vient de le voir, le château de Montségur relève davantage d'impératifs astronomiques que des raisons militaires. C'est donc à partir de 1240 qu'une communauté de 4 à 500 personnes, dont un bon nombre d'initiés, s'établit sur cette montagne magique. Mais Blanche de Castille, l'Église de Rome et ses alliés ne pouvaient pas tolérer ce mythe hérétique. Au mois de mai 1243, une armée de 10 000 hommes, utilisant des trébuchets, sortes de catapultes géantes, vint alors assiéger le château de Montségur. Ce siège fut le plus long de la croisade. Il dura 10 mois. Au mois de mars 1244, l'eau vint à manquer et les assiégés furent contraints de négocier. Les assiégeants promirent la vie sauve à tous les assiégés à la seule condition qu'ils abjurent la foi cathare. Mais tous crièrent plutôt mourir qu'abjurer. Mais voilà que dans la nuit du 15 au 16 mars 1244, la veille de la reddition, 4 parfaits descendus par des cordes le long de la paroi rocheuse parvinrent à s'échapper. Mais les 4 parfaits emportaient avec eux le trésor des cathares. Mais à partir de là, on ne sait plus rien. Et on se demande encore où ont bien pu passer ces 4 parfaits qui emportaient, nous n'oublions pas, le trésor cathare. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un trésor matériel, mais d'un trésor spirituel. Ce qu'ils avaient ramené d'Orient, leurs travaux, leurs connaissances sur des choses qui ont intrigué, qui étaient encore, et qui ont intrigué surtout, rappelons-nous, les Allemands, pendant la dernière guerre, qui avaient pris possession de Montségur, toute l'armée allemande, comme ça, interdisait l'accès de Montségur, pourquoi? Parce que vous savez que les Allemands, de cette époque, étaient à la recherche
du fameux surhomme, le fameux surhomme de Nietzsche, ce raisonnement, bien sûr. Et on se souvient des atroces expériences réalisées dans les camps à ce sujet et qui n'ont abouti à rien. Mais j'ai pensé que les cathares avaient connu certains aspects de la surhumanité. Pourquoi ? Parce que ce qui a intrigué, oh, pas que les Allemands, hein, tout le monde aussi, il faut le dire, c'est que les cathares, vous voyez, quand ils se jetaient dans le bûcher, ils s'y jetaient en sonnant par la main, comme ça. On faisait la chaîne, hein, comme ça, et on chantait. Comme une procession. Et délibérément, l'un après l'autre, comme ça, tout en chantant, on se jetait dans le brasier. Et c'est là le côté navrant, déconcertant de l'histoire cathare. Cette histoire qui s'achève, on l'a vu il y a 750-800 ans, chez un dernier point d'interrogation. Les choses sont perdues. Et voilà que l'histoire rebondit au XXe siècle, il y a à peine 47-48 ans, c'est quand pas très vieux. Et voilà que les points d'interrogation ressurgissent et reculent d'autant que nous avançons vers eux. Oui, c'est le côté d'avoir déconcentré l'histoire cathare. Car beaucoup de choses ont été perdues, détruites. On a toujours détruit ce qui gênait. On se souviendra dans l'histoire, depuis la plus haute antiquité, l'homme a toujours été d'ailleurs un très grand destructeur. Nous sommes victimes de ces choses-là aujourd'hui. Moi, vous voyez, je suis d'un pays cathare. Je suis originaire de Béziers, là, vous. Et pour dresser ce dossier, j'ai eu accès aux archives de ma ville, de Carcassonne, de Toulouse, de Lavant, d'Albi, de la Pentecôte. Et à chaque fois, comme pour mes collègues, je me suis aperçu moi aussi que beaucoup de choses manquaient. Ah oui, il y a des destructions d'un côté, de l'autre, on travaille comme. Enfin, on a l'impression de travailler comme un cheval. Oui, les missions sont perdues, détruites. Et on en est réduit à quoi aujourd'hui? Ben, on est réduit à des découvertes ponctuelles, occasionnelles, quelquefois. Je me trouvais il y a quelques mois de cela, je me trouvais en Alsace. Et j'étais surpris d'apprendre qu'on a découvert, dans quelques coins d'Alsace, côté de Colmar, un petit peu plus haut, des croix cathares, des vestiges cathares, des objets cathares, ce qui montre bien qu'au moment de massacre, il y a une sorte d'exode dans cette région. Et puis ça se poursuit jusqu'à la Franconie allemande. Car c'est à la Franconie allemande, hein, n'oublions pas, que l'on a découvert les derniers parfaits. Alors on comprend mieux. Donc à la raison, chaque été, des gens de ces régions, comme ça, descendent jusqu'à Montségur, comme si remontait un fil conducteur. Comme s'ils venaient aussi de comprendre là. Ceux qui ne comprennent pas tellement chez eux. Oui, c'est le côté qui reste encore à connaître, à découvrir. Comme on a découvert également que les messages de château à château étaient transmis par les baladins et les ménestrels dans des champs à double sens. Alors il suffit seulement la grille, comme on dit aujourd'hui, pour décrypter le message. Vous voyez, cela de préfigurer déjà l'espionnage d'aujourd'hui. On en reparlera dans un petit moment. Mais reprenons l'histoire à partir du moment où se produit la reddition du château de Montségur, comment les choses se sont passées le jour de cette reddition. C'est ce que nous allons voir. La tradition rapporte que lorsque le trésor fut sauvé, un feu s'alluma sur la montagne de Bidorta pour annoncer aux défenseurs de Montségur qui pourrait mourir en paix. Et ce fut, comme on va le voir, la capitulation. Oui, ce fut la capitulation et le fantastique bûcher dressé au pied de la montagne. On assista alors à une chose incroyable. Derrière Bertrand Marty et Corba de Parella, qui tenait dans ses bras Esclarmonde, sa fille infirme, 215 personnes montèrent de leur plein gré sur le bûcher. Peu de temps après, elles étaient réduites en cendres. Aujourd'hui encore, ce lieu s'appelle le Prat del Cremat, le champ des brûlés. Quant au trésor, sa trace fut perdue. Les quatre rescapés se cachèrent probablement dans des grottes où ils déposèrent leurs précieux fardeaux.
ils purent aussi s'enfuir par la montagne et passer en Espagne. On a parlé, on en parle encore, de ce fameux trésor, mais aussi du secret, du grand secret des cathares. Mais qu'y a-t-il de vrai dans cette étrange science cathare ? On sait que des objets, des documents de toutes sortes ont été ainsi transportés de cette région jusqu'à Berlin. Et il est tout aussi certain que bien d'autres secrets et bien d'autres trésors spirituels, scientifiques et matériels se trouvent encore dans les grottes de la région de Montségur ou encore dans d'autres parties de ces régions pyrénéennes. Ils sont recherchés sans cesse, et pas seulement par des petits chercheurs de trésors, avec de modestes poils à frire, hein, mais par, notamment, des ressortissants israéliens, américains et espagnols, sans oublier les inévitables Allemands qui poursuivent leurs sempiternelles recherches. À propos du trésor des cathares, il a souvent été question du Graal. Eh oui, mais... qu'est-ce que le Graal ? Un mot magique comme multiple sens. Les dictionnaires disent du Graal qu'il est le vase dans lequel Joseph d'Arimathie aurait recueilli le sang du Christ sur la croix. Pour d'autres, il s'agit de la coupe verte dont se servit Jésus lors de la scène. Ou encore, pour les ésotéristes, le Graal pourrait être l'ascension progressive, graduelle, de l'homme au sommet de la connaissance. Derrière le mot « connaissance » peuvent bien sûr se placer des intérêts différents, connaissance spirituelle ou connaissance scientifique. Une autre définition du Graal dit qu'il s'agit de la pierre verte que Lucifer portait sur son front et qu'il perdit lorsqu'il fut vaincu. En effet, toutes les traditions affirment que des combats gigantesques opposèrent des puissances extraordinaires à l'aube de l'humanité. Enfin, quoi qu'il en soit, et si on en croit certains récits, le Graal aurait été caché près des Pyrénées, en Catalogne, ce qui nous fait penser au Cathare. Un chant célèbre, la Coupe Sainte, parle d'une coupe qui nous vient des Catalans, disons aussi que le nom de Graal vient d'un mot occitan grazal qui signifie vase et plus exactement vase de grès. De là à conclure que c'est en Occitanie qu'il faut le chercher. Nous sommes en face, certes, de bien des versions, mais il y en est une que je trouve particulièrement intrigante. Il s'agit d'un livre qui a pour titre « Le second titurel » et qui a été composé par von Scharfenberg en 1272. Ce poème nous dit que le roi titurel a entouré une montagne d'une grande muraille et a construit au sommet le château du Graal. Un château dont il décrit même l'architecture. Ce qui est curieux, c'est la première phrase qui dit ceci. Au pays de Sauveterre, il est une montagne que l'on nomme Mont Salvat. Tiens, tiens, d'où vient ce nom de Sauveterre ? Dans le département de l'Aveyron, il existe un village appelé Sauveterre, près de Baraqueville. Ce village fut fondé au XIIIe siècle, exactement à l'époque où ce poème fut écrit. S'agit-il d'une coïncidence ? De plus, le texte cite une montagne appelée Mont Salvat. Toujours dans l'Aveyron, il existe sur le plateau du Larzac un sanctuaire appelé Notre-Dame de la Salvage. Oui, pas très loin de Saint-Sauveur. D'autres indices dans cette région permettent de croire qu'il ne s'agit pas du hasard. Mais où sont les explications ? Plus curieux encore, dans l'œuvre de Wagner, Parsifal est chassé du château
de mon savate, où est gardé le Graal. Tiens, que pouvait bien savoir ce compositeur? On cherche toujours mon savate, on l'a situé à Montserrat, à Montségur, ou ailleurs. Mais a-t-on fait le rapprochement avec ce Montsalvage au pays de Sauveterre? Eh bien, voilà quelques idées pour les chercheurs de trésors. Alors, à vos pelles, à vos pioches, la quête est à vous. Mais, dira-t-on, les Templiers, pendant ce temps, que faisaient-ils? S'il n'y a eu officiellement aucun contact entre cathares et Templiers, il n'est pas possible d'imaginer que les deux courants de pensée les plus importants du Moyen-Âge, existant à la même époque et souvent dans la même région, aient réussi à s'ignorer. Signalons simplement pour mémoire que les Templiers apparurent en 1119 et les cathares en 1147. Les chevaliers du Temple dépendaient en partie du pape et du roi de France. S'ils ne participèrent pas à la croisade contre les Albigeois, ils ne purent cependant pas prendre ouvertement parti contre le roi et contre le pape. Il y eut certainement des sympathies entre cathares et templiers, et fort probablement des aides efficaces, notamment à l'époque de la lutte clandestine des cathares. Car à cette époque, les templiers étaient eux-mêmes mis en accusation. Cette situation peut alors expliquer leur apparente neutralité. Mais voyons les faits. La naissance de l'ordre du Temple, comme celle du catharisme, a son origine de l'autre côté de la Méditerranée. Oui, mais pour quelle raison? Pour la comprendre, je pense qu'il nous faut remonter assez loin dans le temps. Sous le roi Salomon, à peu près 1000 ans avant le Christ, la ville de Jérusalem était particulièrement riche. D'après les documents qui nous sont parvenus, et en faisant la part de l'exagération des chroniqueurs de l'époque, eh bien, on peut affirmer que le temple de Salomon contenait un total de 2200 tonnes d'or. Ceci n'est pas une légende, mais une vérité historique basée sur des documents authentiques de l'archéologie officielle. Eh bien oui, le temple de Salomon. Il nous faut en effet remonter au temple de Salomon si on veut bien comprendre l'histoire des Templiers et bien d'autres choses. Nous sommes là à peu près 1000 ans avant le Christ. Et à partir de là, avec tous les recoupements historiques, tous les faits, toutes les histoires, tout cela mis bout à bout, et avec beaucoup de patience aussi, j'en suis arrivé à une étude complète de ce cheminement, ce qui va aboutir aux Templiers et à bien d'autres choses aussi qui ont valeur historique. Ben, c'est ce qui a d'ailleurs valu le prix que j'ai reçu pour cette conférence. Vous allez voir, vous allez bien me suivre, c'est très intéressant. Bon, nous sommes donc à peu près 1000 ans avant le Christ, quand Salomon, sur l'ordre de son père, le roi David, fait construire ce fameux temple, qui regorge des richesses fantastiques, ce temple plusieurs fois détruit dans l'histoire, la première fois en 585 par Nabucodonosor et les Chaldéens, on le reconstruit, les Grecs arrivent en 168 et le reste encore. Hérode le reconstruit et devient le temple d'Hérode, et en 70 de notre ère, les Romains de Titus y vont et eux le rasent définitivement. Oui, mais toute la différence est là. C'est que les Romains, eux, découvrent ce que les autres n'ont pas découvert. Dans le fameux chandelier à sept branches qui était l'apanage du roi Salomon et le centre de famille de trésors, tant convoité, lui aussi. Et pour bien montrer que les Romains l'ont ramené, ce chandelier de Salomon, à leur massif, nous avons sur l'arc de triomphe de Titus, à Rome, qui date de cette époque-là, des bas-reliefs comme ça tout autour, et nous voyons d'ailleurs le motif central, principal, avec les soldats romains revenant à Rome, triomphant, avec ce fameux chandelier à cette branche, ce menorah de Salomon, et puis tout le trésor qui suit comme ça tout autour.
Ces choses, nous dit-on, y resteront trois siècles et demi, jusqu'à ce que les Visigoths d'Alaric, qui convoitent ce fabuleux trésor, apprennent qu'il est à Rome, vont à Rome, et le pillage dura, nous apprend l'histoire, 6 jours et 6 nuits. Le sixième jour, nous sommes le 24 août 410 de notre ère. Donc, le 24 août 410, toutes ces choses venues de Jérusalem, qui ont fait étape à Rome pendant 3 siècles et demi, quittent Rome avec les Visigoths, passent par Milan, on verra pourquoi dans un petit moment, et aboutissent à Toulouse. Et elles y resteront jusqu'en 508. Mais en 508, les Francs de Clovis, qui sont à Bordeaux, et qui pourchassent les Visigoths à leur tour, obligent ces derniers à se réfugier dans le Haut-Razès, dans les Corbières, à Rémé, qui était une place forte des Visigoths. 30 000 guerriers déjà à cette époque-là. Et ce René des Visigoths porte un nom aujourd'hui. Vous avez compris, hein? C'est Rennes, le château. Alors on dira, tiens, tiens, on part de Jérusalem, on passe par l'Italie, on arrive en France, et on aboutit dans cette région perdue, en dessus de Limoux, de Cuisa, dans la montagne, on ne sait même pas où c'est des fois. Hein? Et oui, le cheminement, il conduit droit. Mais quand même, pour m'en convaincre, j'ai fait appel à 2 documents authentiques, dont les originaux sont à la bibliothèque du Vatican. Je veux parler des écrits de Saint-Ambroise et de l'historien Procope. Saint-Ambroise a vécu toute sa vie dans cette région, il la connaît, et vers la fin, il est nommé protecteur et évêque de la ville de Milan. Et nous avons d'ailleurs au Vatican une toile qui montre le sacre de Saint-Ambroise à Milan. Et il s'y trouve, lorsque les Visigoths, rappelez-vous, venant de Rome, avec tout ce chargement d'or, comme ça arrive devant Milan, mais attention, les Visigoths sont quand même des barbares. Et pour éviter le pillage, le massacre à Milan, qu'est-ce qu'il fait, Saint-Ambroise? Il réunit toutes les valeurs qu'il peut trouver dans Milan, l'or, l'argenterie, les pierres précieuses, il amène tout cela, comme cela, aux Visigoths. Mais il compose. Il leur dit, si vous allez en France, il y a un endroit, moi, que je peux vous enseigner, où pour entreposer toutes ces choses, où personne ne viendra les chercher. Et qu'est-ce qu'il indique? Il indique tout simplement les anciennes mines d'or et de cuivre de la région de Carcassonne, qui remontent aux Celtes, car les Celtes sont les premiers occupants de ces régions, là aussi. Et puis les Celtes sont partis. Et puis il reste des galeries, des couloirs, des fourrières, comme ça, où on pourra entreposer toutes ces choses, où personne ne viendra les chercher. Et il consigne tout cela par écrit. Ces écrits vont au Vatican, et ils sont toujours, donc l'Église n'ignore rien de ces choses-là. Quelques siècles plus tard, l'historien Procope, dans son histoire sur le trésor du temple de Salomon, consacre 3 pages dans son livre, qui est au Vatican, 15, 16 et 17, où il dit bien que c'est sur le conseil de Saint-Ambroise que toutes ces choses venues de Jérusalem vont s'éparpiller dans cette région. Nous avons donc au Vatican 2 écrits authentiques qui nous le certifient. Tout. Non, je ne pense pas, parce qu'on a quand même fait des recherches depuis. On a même découvert, vous voyez, un prolongement de 7 heures en Espagne jusqu'à Tolède. Car l'or des Visigoths à Tolède, c'est l'or ramené de Jérusalem. Mais une bonne partie encore dans d'autres régions, oui, mais dans celle-ci, dont je parle en ce moment, où il y a encore quelques bonnes choses à trouver, oui, bien cachées, oui. Alors si on en arrive à Rennes-le-Château, on ne me pardonnerait pas de ne pas ouvrir une parenthèse à ce sujet, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, mais tout en éliminant d'abord toutes les bêtises et les inepties qui ont été dites sur Rennes-le-Château, et Dieu sait si on en a dit. Nous laissons de côté également cette histoire de curé, la Pessonnière, qui soi-disant découvre ce trésor faramineux qu'on estime aujourd'hui à peu près à 3 milliards de centimes. Le vrai, le faux, le pour, le contre, une histoire un petit peu ambiguë, qu'on sortera parce que ce n'est quand même pas le but de cette conférence aujourd'hui. Et puis quand même, une histoire aussi de gros sous, n'oublions pas, et qui sent aussi un peu de souffrance.
laissons ça de côté. Et n'en conservant que le côté, disons, intéressant pour la recherche, il y est. D'ailleurs, si vous avez la reine de château, vous ne le regretterez pas. Vous verrez là-bas des choses extraordinaires. L'église d'abord. L'église, si vous entrez dans l'église, sous le portail, sous le porche, comme ça, à gauche, en entrant, qu'est-ce que vous allez voir, hein? Qu'est-ce que vous allez voir? Eh bien, vous allez voir un diable. Pire, un diable supportant un bénitier. Un diable supportant un bénitier, je crois que ça ne se trouve pas dans toutes les paroisses. Non, mais vous le trouverez là. Et ce n'est pas pour rien. Car dans la vie, rien ne vient de rien. Tout va s'enchaîner à partir de là. D'abord, ce diable a un nom. Asmodée, en latin. Ashmadaeva, en hébreu. Ils sont traduits d'hébreu. L'hébreu est une langue qui se traduit lettre par lettre, chaque lettre ayant une signification particulière. Mais si on traduit Ashmadaeva, littéralement, qu'obtient-on ? On obtient gardien de trésor. C'est bien curieux ça. Et si on consulte la Bible, on nous apprend qu'Ashmadaeva était le gardien du trésor du temple de Salomon. Or, ce gardien du trésor du temple de Salomon, on en a découvert la statue dans les ruines qu'on a vues il y a un petit moment, en 2 000 à 3 000 morceaux. Depuis le temps, on essaie de la restaurer, de la rafistoler, comme on peut. Et voilà qu'au bout du chemin que je viens de donner, elle est là, encore là. Celle-ci, plus récente, bien sûr, elle date du début du siècle. Mais au début du siècle, si on l'avait mise là, plutôt qu'ailleurs, c'est qu'on avait déjà compris que le symbole n'était pas complet. Il fallait qu'il soit. Alors, ce gardien de trésor, on l'a au départ, on l'a à l'arrivée. Je pense qu'aujourd'hui, le symbole est une compréhension facile. Mais ce n'est pas tout. Vous remarquerez que ce diable a un mamelon bien plus bas que l'autre, qui est sur la photo quand même caché par l'épi du manteau. On a une dissymétrie, vous voyez, avec les mamelons. Et une côte entaillée de 1 cm sur toute sa longueur. Il y a aussi des symboles de Pujou, car autour de l'église, dans la vallée, il y a deux lieux dits bien connus, le mamelon du diable et la côte du diable. Et c'est presque toujours là que l'on va pour fouiller, chercher. On trouve, on ne trouve pas, peu importe, comme si ce diable indiquait que c'est là qu'il faut aller. Tout ça est bien curieux encore. Mais ce n'est pas tout. Car en réalité, vous voyez, il n'y a pas que 2 lieux-dits autour de l'église, il y en a 6. Tous équidistants. Et si on les unit par une droite, chacun de ces lieux comme ça, vers l'église qui est centrale, qu'obtient-on tout d'abord? Mais on obtient tout d'abord l'étoile à 6 branches, l'étoile de David, le père de Salomon. Salomon en hérite, et l'étoile à 6 branches devient le sceau de Salomon. Le sceau de Salomon, c'est l'étoile de David. Et le roi Salomon met son empreinte dans cette région. J'ai été un jour intrigué par toutes ces branches qui partaient comme ça, dans toutes les directions, dans le département de l'Aude, de l'Ariège, de l'Aveyron, de l'Haute-Garonne. Et j'ai pensé que ces choses-là devaient aboutir à quelque chose quand même. Ça ne pouvait pas partir au hasard. Sur plan d'abord, sur terrain ensuite, cela m'a demandé des années à temps perdu, ça me faisait un peu de marche, bien sûr, enfin, le travail en valait la peine. Car ce que j'ai voulu savoir, je l'ai su, il y a bien un aboutissement. Et ces branches aboutissent toutes sur quoi? Sur des vestiges templiers. Trois templiers à la croisée des chemins, chapelle templière, commanderie en ruine ou pas, fondation existante encore, mais jamais à côté, devant ou derrière, en plein milieu, ce qui n'est pas le fruit du hasard. Tout cela est trop géographiquement, trop mathématiquement, trop géométriquement parfait pour que ce soit le fruit du hasard. Nous avons donc, au bout de ce chemin que je viens d'indiquer, les templiers. C'est eux qui sont concernés, c'est eux qui sont au bout de la route.
Pourquoi le nom de Templiers? On va en parler dans un instant. C'est parce que les premiers qui sont arrivés là-bas ont pris position sur les ruines du temple de Salomon. Ils ont pris le nom de Templiers. Parce que, en somme, les Templiers d'aujourd'hui sont toujours, se recommandent toujours du temple et de Salomon. Donc à cette époque-là, nous avons une connaissance cachée, ésotérique, hermétique. C'était la mode de cacher comme ça par des choses qu'on ne voulait pas divulguer. Des symboles de ce genre, et les Templiers sont au bout de cette recherche. On cachait ainsi ce qu'on ne voulait pas divulguer. Quoique si on réfléchit bien, hein, aujourd'hui, on nous dit bien aussi ce qu'on veut nous dire. J'ai parlé du Vatican. Je ne vous apprends rien non plus, hein, en vous rappelant que dans les caves de la bibliothèque du Vatican, il y a des secrets qui remontent à la plus lointaine humanité et qui ne sont jamais communiqués aux communs des mortels. Ben, l'Église est une centrale de connaissance. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas que l'Église. Les francs-maçons. Oh, pas chez celui qui va à la réunion du samedi soir. Non, je parle dans les hautes couches, dans les hautes sphères. Oh, oui, il y a des secrets bien gardés et qui n'en sortent pas. Les Templiers d'aujourd'hui, je les connais, je peux vous dire oui, et d'autres encore. Et on peut même dire qu'aujourd'hui, que les sociétés dites secrètes sont toujours très puissantes et très influentes. Et oserais-je aller plus loin, hein, quand on sait que les principaux pays de la Terre sont tous, presque tous, hein, gouvernés par des gens qui appartiennent à des sociétés secrètes. Pour dire quoi? Pour dire en effet que ça n'a pas tellement changé depuis le Moyen-Âge. Ah si, les moyens ont changé parce que attention, c'est toujours la course au pouvoir, la course à la domination du monde. Depuis le Moyen-Âge, ça n'a pas changé. Si, ce qui a changé, c'est les moyens que nous avons différents aujourd'hui. Mais les Templiers, attention, on faisait partie à cette époque déjà. Ils ont créé un état dans l'état, n'oublions pas, on va en parler dans un instant. Et avec leur commanderie, ils avaient déjà pris position dans toute l'Europe. L'Europe était déjà en marche avec eux à cette époque-là. C'était déjà trop tôt. Bon, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas, on verra bien. Bon, de toute façon, le mécanisme était là et il est toujours là. Avec les Templiers, bien sûr, il y a ce côté matériel, ce côté pouvoir, oui, mais au commencement, non, ça commence par le trésor spirituel, comme les cathares. Avec cette différence que pour les cathares, il n'y a jamais eu tellement de trésor matériel, hein, il n'y a eu que des trésors spirituels. Les Templiers, ça commence par le trésor spirituel. Hein. On a même dit, eux-mêmes l'ont dit, que c'est eux qui auraient ramené en France l'Arche d'Alliance. Ça n'engage que leur responsabilité. Mais cette Arche d'Alliance, où était-elle? Elle était dans le Saint des Saints du temple de Salomon. Or, ni les Chaldéens, ni les Grecs, ni les Romains n'en ont parlé. Ben, s'ils l'avaient découverte depuis 2000 ans, et ils, l'Arche d'Alliance, je pense, on le saurait. Personne n'en a jamais parlé, alors que les Templiers, eux, je dis eux, prétendent l'avoir découverte et ramenée en France en 1128. Elle serait, d'après nous toujours, dans les fondations les plus profondes de Chartres, sous le labyrinthe. N'allons pas si loin. Quand je parlerai de Chartres, vers la fin de la conférence, je montrerai en effet qu'il y a dans Chartres une sculpture. Dans la cathédrale, une sculpture qui semblerait indiquer que c'est peut-être là que les choses se sont passées. Allons pas si loin. Voyons d'abord l'épopée templière, qui est riche en rebondissements de toutes sortes, et qui marque, ne l'oublions pas, l'une des plus belles pages de notre histoire. Et c'est ainsi qu'interviennent les Templiers. Moins de 20 ans après la fondation du royaume chrétien de Jérusalem, par les croisés de Godefroy de Bouillon, en 1118, 9 chevaliers chrétiens, conduits par Hugues de Payne, arrivent dans ce pays avec mission d'assurer la sécurité des pèlerins
et des voyageurs qui se rendent en pèlerinage au Saint-Sépulcre. Bernard de Clairvaux, éminence grise du Saint-Siège, devait plus tard écrire un vibrant panégyrique des Templiers par lequel il exaltait la discipline et la simplicité de ses moines-soldats, en opposition avec les chevaliers laïcs de l'époque, qui jugeaient futiles, cupides et inefficaces au combat. Le pape Honorius II, impressionné par ces mots, reçut d'un bras ouvert à Rome les représentants des Templiers et décida de donner une constitution à l'ordre du Temple. Mais pourquoi ce nom de Templier ? Reprenons l'histoire. Lorsque les 9 chevaliers vinrent se fixer à Jérusalem en 1118, le roi Baudouin II leur attribua un logement sur l'emplacement de l'ancien temple de Salomon, détruit par Titus. Les Templiers y resteront longtemps et pourront se livrer à de nombreuses recherches qui furent certainement suivies de trouvailles. Le 13 janvier 1128, un concile général d'une solennité exceptionnelle s'ouvre à Troyes pour donner leur constitution aux Templiers. C'est le seul exemple d'un ordre religieux proclamé par un concile. Saint Bernard, qui fut l'âme de ce concile, rédigea lui-même la règle de l'ordre du Temple et les cisterciens en guidèrent le premier pas. Voici le sceau de l'ordre du Temple qui représente 2 chevaliers sur le même cheval. C'est un symbole. Mais ce symbole a plusieurs significations. D'abord, l'esprit de pauvreté, bien sûr, mais aussi l'esprit de fraternité et de partage, ainsi que des significations astrologiques et ésotériques. Mais tout part de là. Après le concile de Troyes, l'ordre du Temple se compose tout d'abord de chevaliers qui, réunis en chapitre, exercent le gouvernement. Viennent ensuite les chapelains et les sétans qui forment la masse des simples soldats, suivis d'une multitude d'artisans de tout métier. Le grand maître, élu par le chapitre, se trouve à la tête de la hiérarchie et jouit d'une autorité souveraine sur l'ensemble des provinces de l'ordre. Sur certains points, la règle est assez souple. Elle permettait dans certains cas à des hommes mariés de devenir templiers, ce qui entraînait automatiquement l'acceptation de devoirs conjugaux. Les interdire pouvant saper le moral des chevaliers et les rendre de ce fait inaptes au combat. D'autre part, de surprenants privilèges de souveraineté sont accordés à l'ordre du Temple, lequel, s'il n'est paye ni charge ni impôt, peut par contre en percevoir. De même pour la justice qui accorde aux chevaliers l'immunité judiciaire. Alors que dans leur province, ces mêmes chevaliers peuvent rendre leur propre justice. Une autre règle intervient du fait que les Templiers, possédant leur propre clergé, échappent ainsi à l'autorité des évêques et mettent le pape en fâcheuse situation. Puisque le Saint-Père ne peut intervenir dans les désignations de ses dignitaires qui dépendent d'un système synarchique interne. Ces conditions très particulières vont permettre aux Templiers d'acquérir, en moins d'un siècle, une formidable puissance en France, en Orient, en Europe. Et bien au-delà encore, avec l'armée tout d'abord, qui se distingue par sa discipline, sa connaissance de l'adversaire et du terrain. À noter que les Templiers n'utilisaient pas les lourdes armures des autres croisés. À eux, tout était en légèreté et en mobilité. À une époque où chaque seigneur combat sous sa propre bannière, les Templiers, eux, combattent sous un seul étendard. Cet étendard, le beau sang,
a deux couleurs, le blanc et le noir. D'après Saint Bernard, ces deux couleurs signifient que les Templiers sont blancs et bons pour les amis du Christ, mais noirs et terribles pour ses ennemis. Cependant, les Templiers en Orient ont appris à respecter la foi de leurs ennemis. Ils pratiquent la tolérance comme cela se fait en Occitanie et se distinguent des autres chevaliers chrétiens par leur compréhension à l'égard des adeptes de l'islam. Cette compréhension permet l'établissement des contacts qu'on peut qualifier d'amicaux et qui durèrent jusqu'en 1137, date qui marqua le déclin de l'entreprise chrétienne en Orient avec la prise de Jérusalem par Saladin. Petit à petit, les Templiers se replient et, à la fin du XIIIe siècle, possèdent 9000 commanderies en Europe, dont 2000 en France. Et ils ont accumulé un immense patrimoine et des richesses fabuleuses qui excitent déjà bien des convoitises. Les origines de ces richesses paraissent mystérieuses, même suspectes, en dehors des nombreuses donations venant de seigneurs, de princes et même de rois. On soupçonnait également les Templiers de pratiquer la chimie, une science à l'époque qui s'apparentait à la magie, et d'avoir réussi à fabriquer de l'or. Quoi qu'il en soit, les administrateurs de l'ordre étaient habiles. Ils surent faire fructifier les biens qu'ils avaient amassés et bientôt ceux qui avaient été les pauvres chevaliers du Christ deviennent les banquiers des rois et des papes. En plein Moyen-Âge, ils créent un système bancaire perfectionné où figurent déjà toutes les opérations que nous connaissons. Avance, caution, consignation, gestion de dépôts, ouverture de comptes courants, transfert de fonds internationaux, etc. Un bouleversement complet dans la société. Il crée ensuite des surveillances sur les routes pour assurer la sécurité des voyageurs. De même qu'avec leur propre flotte, ils assurent la surveillance des routes maritimes et le transport de marchandises à destination de l'Orient et de l'Asie. Grâce aux lettres de change, les marchands déposaient leurs espèces à leur départ dans une commanderie et les retiraient à leur arrivée dans une autre commanderie. Après prélèvement, bien sûr, d'agios, lesquels constituaient en fait le bénéfice des Templiers. La fortune des Templiers était bien supérieure à celle de tous les royaumes d'Europe. Le revenu que l'ordre du Temple tirait de ses activités a été évalué annuellement à 112 millions de livres, ce qui équivaut à 100 milliards de nos francs actuels. Somme astronomique pour le XIIIe siècle. Ainsi, avec les Templiers, notre civilisation, à peine sortie de la barbarie, va éclore et se développer avec splendeur. L'agriculture prospère. Les constructeurs apprennent à utiliser le fameux nombre d'or. Les Templiers lancent vers le ciel la divine architecture gothique qui sera englobée, comme à Chartres, l'ensemble des données concernant notre globe terrestre. Ce qui était impensable pour l'époque. Et puis le commerce, l'économie prennent un extraordinaire essor. Mais tout cela engendre la convoitise, la jalousie et la haine. Notamment cette règle du secret, et surtout du silence, que pratiquent les Templiers. Le roi de France, Philippe le Bel, craint cet état dans l'état dont la puissance est supérieure à la sienne. Il voudrait bien s'approprier les richesses, les biens et les secrets des Templiers. Et il médite maintenant la destruction de l'ordre du Temple. Eh bien, disons que pour détruire l'ordre du Temple, Philippe le Bel s'abouche secrètement avec Bertrand de Goth, archevêque de Bordeaux,
et il lui accorde un tel appui que cet archevêque est élu pape sous le nom de Clément V en 1305. Installé en Avignon, ce pape fut d'ailleurs, pour Philippe le Bel, un otage de choix. Mais à l'origine de la chute des Templiers, nous trouvons un personnage assez trouble, Escieux de Flairant, ancien prieur du temple de Montfaucon dans le Languedoc. On ignore pourquoi ce Templier fut destitué par ses supérieurs. C'est lors de son emprisonnement à Toulouse qu'il fait des confidences à des officiers royaux, déclarant qu'il se passe des choses terrifiantes dans le secret des commanderies. Le chancelier Guillaume de Nogaret s'empressa alors de rapporter ses propos au roi de France, ce qui va, bien sûr, faciliter les choses. Guillaume de Nogaret, né à Béziers, est fils de cathare. Et ce fils de cathare va jouer un grand rôle dans la destruction du temple. La propagande, nous disons aujourd'hui l'intoxication, habilement menée par Guillaume de Nogaret, s'efforça de rendre impopulaires les Templiers en les accusant de multiples forfaits. On les traita évidemment d'hérétiques, et l'on ne manqua pas de rappeler que lors de la croisade contre les cathares, les Templiers avaient refusé de suivre Simon de Montfort et s'étaient même rangés aux côtés de Pierre II d'Aragon lorsque celui-ci luttait contre les croisés avec Raymond VI de Toulouse. Clément V, qui convoitait pourtant les possessions des Templiers dans le comtat vénitien, hésitait encore, mais le roi bientôt allait lui forcer la main. Et c'est un vendredi 13 que Philippe le Bel mit son projet à exécution. Depuis ce jour, dit-on, le vendredi 13 est considéré comme un jour maléfique. Dès l'aube, et bien dès l'aube tout commence. Dès l'aube, des hommes d'armes conduits par des commissaires royaux se présentent à la même heure aux portes de toutes les commanderies templières de France. Le coup de filet réussit, trop bien même. Tous les templiers sont arrêtés et leurs biens placés sous séquestre. Arrêtés ainsi, en même temps, tous les membres d'une aussi puissante organisation ne manquent pas d'intriguer les historiens. Même si le secret de l'opération a été bien gardé, il est évident que les Templiers savaient fort bien ce que préparait contre eux le roi de France. Mais derrière tout cela, il y a aussi un grand dessein templier que le roi et le pape trouvent inacceptable. Vouloir établir une fraternité humaine, sociale et politique, sans tenir compte des nationalités et des religions, c'était à brève échéance saper le pouvoir de ces personnages. Les richesses amassées par les Templiers n'étaient-elles pas destinées à la création d'un empire synarchique qui, disait-on, unirait les peuples des deux côtés de la Méditerranée ? Il fallait par toutes les façons saper la réputation d'honnêteté des Templiers, pour ensuite, au cours d'un procès de cette année, débattre d'homosexualité, ce qui n'a jamais été prouvé, d'idolâtrie, nous y reviendrons, et de reniement du Christ. À ce propos, on les accuse d'avoir piétiné la croix et craché sur le Christ, ce qui, aux yeux de l'Église catholique, est considéré comme le plus grave des blasphèmes. Si cela était une version d'un fait de la tradition templière, nous apprend que ce revirement aurait pour cause la révélation en Orient de la véritable personnalité de Jésus, laquelle n'aurait absolument rien de divin. Voilà qui nous fait mieux comprendre les chefs d'accusation portés contre les Templiers. Mais ces débats ne sont pas clos, puisque rien n'a jamais été prouvé. Ce qui permet de poursuivre d'incessantes recherches qui n'aboutissent qu'à des suppositions. À noter qu'à l'issue de ce procès, le pape prit une décision
qui reflétait bien son inquiétude et ses hésitations. Il ne condamna pas l'ordre du Temple, se contentant tout simplement de prononcer sa suppression. Mais Philippe le Bel, aidé par l'Inquisition, continua interrogatoires et tortures. Et c'est ainsi qu'après 1000 péripéties, il parvint à faire amener au bûcher, le 18 mars 1314, le grand maître Jacques de Molay ainsi que le maître de Normandie, Geoffroy de Charnay. Cela se passait dans l'île aux Juifs, aujourd'hui square du Vergalan. Cette exécution publique fut décrite par un témoin, Geoffroy de Paris. Quand le grand maître vit le feu préparé, dit-il, il se dépouilla de ses vêtements sans hésitation. Il se mit tout nu en chemin, lestement et de bonne mine, sans trembler nudement, bien qu'on le tirât et bousculât fort. On le prit pour l'attacher au poteau et lui lier les mains. Puis il dit à ses bourreaux, « Je vous en prie, laissez-moi joindre un peu les mains, car ça n'est bien le moment. Je vais bientôt mourir. Dieu sait que c'est à tort. Mais je vous le dis, il arrivera bientôt malheur à ceux qui nous condamnent sans justice. » Et d'ajouter encore, « Clément et toi, Philippe, traîtres à la foi donnés, je vous assigne tous les deux au tribunal de Dieu, toi, Clément, à 40 jours, et toi, Philippe, dans l'année. » Et la malédiction s'étendait aussi à toute la lignée des rois de France. Ces phrases furent ou ne furent-elles pas prononcées par Jacques de Molay sur le bûcher? Le fait est que la prédiction s'accomplit puisque Clément V mourut un mois plus tard, le 20 avril 1314. Quant à Philippe le Bel, c'est le 29 novembre de la même année qu'il périt, victime d'un accident de chasse à Fontainebleau. Ainsi, la malédiction se poursuivit au cours de siècles comme une vengeance implacable. C'est du moins ce qui est resté dans les croyances populaires. Autre coïncidence, curieuse encore. Lorsque le roi Louis XVI partit pour son supplice, il quitta la tour du Temple où avait été torturé Jacques de Molay. N'oublions pas non plus que Jacques de Molay était le 22e grand maître de l'ordre du Temple. Mais savez-vous que Louis XVI était le 22e successeur de Philippe le Bel? Mais il y avait autre chose, et cette autre chose n'est autre que le fameux trésor des Templiers. Comme les cathares à Montségur, avant leur chute, les Templiers ont mis en lieu sûr ce qui constituait le trésor de l'ordre. Les indices ne manquent pas. De leur port de La Rochelle, des bateaux ont pris la mer pour une destination inconnue et mystérieuse. Ce qui a fait dire à d'audacieux chercheurs que ces bateaux ont pu traverser l'Atlantique. Et cela avant Christophe Colomb, dont plus tard, les caravelles seront ornées de la croix des Templiers. Vraiment curieux. Mais ce trésor a très bien pu rester en France. Et depuis 7 siècles, ce trésor reste mystère. Apparemment, rien d'important n'a été trouvé. Et pourtant, ce trésor existe. Mais quelle était la nature de ce trésor? Des richesses, bien sûr, de l'or, et des objets précieux, des documents aussi sur l'enseignement qu'ils avaient rapporté d'Orient, et surtout, bien d'autres choses encore. Du temple de Salomon, où ils restèrent assez longtemps, nous l'avons dit, les Templiers auraient, dit-on, ramené les secrets de l'architecte Hiram, constructeur de ce temple. Et cela, comme on le voit, nous ramène au temple de Salomon, ce temple de Salomon qui semble être comme une plaque tournante entre l'Antiquité et l'État moderne. Au terme de l'Exode, Moïse, d'après la Bible, n'entra pas à Jérusalem.
mais il avait avec son peuple ramené d'Égypte bien des secrets. Oui, de cette ancienne Égypte qui, de nos jours en cœur, continue à défier l'entendement des historiens et des archéologues. Citons simplement pour mémoire la grande pyramide de Khéops, qui n'est pas un tombeau, mais construite selon le nombre d'or. Des études approfondies permettent de penser qu'elle contient aussi des mesures astronomiques, géométriques et géodésiques qui remontent à la plus lointaine humanité. Les Templiers l'auraient-ils pris pour modèle ? On pourrait le penser quand on se rend compte que si l'on replie la croix templière sur elle-même, on obtient quoi ? Eh bien, tout simplement, une pyramide dont le centre de la croix devient le sommet. La croix templière n'est autre que la projection à plat d'une pyramide. Alors, la connaissance de ces secrets aurait-elle, après l'Exode, abouti au temple de Salomon ? Et on a aussi parlé de l'Arche d'Alliance. Les Templiers furent-ils également en possession de l'Arche d'Alliance ? Cette Arche d'Alliance, donc, la placèrent-ils sous la cathédrale de Chartres, un ancien haut-lieu templier ? Sur un chapiteau de cette cathédrale, on peut voir une étrange sculpture qui représente l'Arche d'Alliance sur des roues. Est-ce pour indiquer que les Templiers l'ont réellement ramené ? Il a été dit que c'était Hugues de Payne lui-même qui aurait ramené l'Arche d'Alliance en France en 1128. C'est possible. En tout cas, la question reste posée. La question reste posée pourquoi ? Chartres, vous le savez, a été construit par les Templiers. Et cette sculpture, nous la devons à des Templiers, bien sûr aussi. Et que voyons-nous sur cette sculpture ? Mais nous voyons l'Arche d'Alliance sur des roues. Or, l'Arche d'Alliance n'a jamais été posée sur des roues. Dans la Bible, on nous apprend qu'elle était soutenue par des séraphins, ou alors on vissait des barres de bois dans des anneaux d'or et on l'a portée comme ça. Jamais sur le sérieux, c'était une hérésie, un sacrilège, impensable. Mais voyez ici, à Chartres, le seul document au monde, dans une église, où on verrait l'Arche d'Alliance sur des roues. Est-ce pour indiquer que les Templiers n'avaient pas d'autre moyen de la ramener que de la poser sur un chariot ? Bien sûr, on pourra se poser la question et on se la posera encore aujourd'hui, car vous savez que Chartres est une énigme. L'énigme sacrée de Chartres. Chartres est un livre de pierre qu'il faut savoir lire. Or, nous avons hélas aujourd'hui perdu cette notion de la lecture de la pierre. Et nous ne pourrons que nous poser encore une fois la question à ce sujet. Doit-on vraiment parler de la disparition de l'ordre du temple ? Disparition, disons plutôt, disparition apparente. Car tous les templiers ne connurent pas le sort tragique de ceux qui étaient sur le territoire de Philippe le Bel. L'ordre du temple avait tissé à travers le monde un important réseau d'amitiés, de relations diplomatiques et commerciales, et ses membres savaient tout trouver des alliés discrets. Chez les hospitaliers, par exemple, citons également les chevaliers du Saint-Sépulcre, dont l'ordre avait été fondé à Jérusalem. Les chevaliers teutoniques et bien d'autres encore. Beaucoup même quittèrent la France et la tradition templière nous parle d'un certain Geoffroy de Gonneville qui, après s'être enfui en Grèce, s'est rendu au Tibet, aidé en cela par des fraternités n'appartenant pas forcément au monde chrétien. Certaines traditions nous apprennent en effet que c'est au Tibet, sous l'Himalaya, et plus précisément dans la Gartha,
ce mystérieux royaume souterrain, que vivent de mystérieux personnages connus sous le nom de maîtres du temps et du monde, lesquels détiennent, dit-on encore, les pouvoirs occultes de notre planète. Ces maîtres du monde, Geoffroy de Gonneville et bien d'autres peut-être, les auraient-ils rejoints? Cette question, beaucoup se la posent lorsqu'on sait qu'en 1982, le grand maître actuel a eu des contacts directs et même secrets avec le Dalai Lama. On dit encore que Geoffroy de Gonneville reviendra pour faire renaître au grand jour l'ordre du Temple. On a parlé d'une longue période d'occultation de cet ordre dont la résurgence ne devrait avoir lieu qu'après 650 ans de silence. Cependant, les idées répandues par les chevaliers du Temple se retrouvaient dans d'autres ordres qui devinrent ce que nous appelons aujourd'hui, à tort ou à raison, des sociétés secrètes. Les controverses sont nombreuses sur la part d'héritage des Templiers qui existent chez les Rose-Croix, chez les Compagnons, ou encore chez les francs-maçons. L'origine de ces sociétés, leur philosophie et quelquefois leurs cérémonies sont marquées par une influence templière sans que la filiation réelle puisse être absolument prouvée, du moins aux profanes. Par ailleurs, naquirent au cours des siècles de nombreuses sociétés se prétendant templières et affirmant avoir reçu l'héritage spirituel. Certaines, effectivement, affichent ou afficheurs un certain décorum rappelant les templiers, mais souvent des querelles de personnes contribuèrent à les discréditer. Mais alors, cette renaissance, ou plutôt cette résurgence de l'ordre du Temple, où en est-elle ? Eh bien, selon les indications données à l'époque de Philippe le Bel, elle devrait se produire à notre époque. Aujourd'hui, les ordres néo-templiers existent, mais il faut quand même faire la distinction entre ceux qui sont les continuateurs de l'idéal templier et ceux qui dissimulent d'autres buts derrière cette façade. Très récemment en France, l'ordre de la Militia Templis, dont le tiers ordre est connu sous le nom de l'OVDT, Ordre des Veilleurs du Temple, a entrepris après une longue période de discrétion de travailler ouvertement à la réalisation des idéaux templiers. Des contacts existent entre fraternités de différentes religions. Ainsi, venu du Moyen-Âge, de cette période de l'histoire cruelle et dangereuse, un message de paix et d'amour apporte un peu d'espoir aux hommes de notre époque, tout aussi cruelle et tout aussi dangereuse. Ce message est celui des cathares et celui des templiers. Les cathares, ces non-violents, rejetaient le mal sous toutes ses formes. Ils nous ont donné un magnifique exemple d'amour, d'humilité, de courage et de sacrifice. Mais on les a détruits. Les Templiers furent sur le point de créer une réelle fraternité des hommes, sans distinction de race, de religion et de nationalité. Ils bouleversèrent la société par de remarquables réalisations sociales, économiques et artistiques en avance de plusieurs siècles sur leur temps. Mais eux aussi, on les a détruits. Parce que de tout temps, il y a toujours eu, pour des hommes libres, des choses pas bonnes à dire et pas bonnes à faire. Les hommes furent détruits, certes, mais les idées étaient lancées. Et il est réconfortant de constater qu'elles ont été reprises et développées sous différentes formes. Les parallèles entre le Moyen-Âge et notre époque ne manquent pas. Alors, est-ce le temps de la résurgence qui fut annoncé? En nous souvenant de toutes ces choses, souhaitons seulement que cette résurgence soit celle de l'esprit et du cœur sur la bestialité
la barbarie et la violence. Celle de la tolérance sur les divisions de races, de religions et de philosophies. Celle de la fraternité sur l'égoïsme et la cupidité. Et surtout celle de l'amour sur la haine. Aujourd'hui, si nous avons des moyens pour détruire rapidement toute l'humanité, nous avons aussi les moyens pour lui offrir un avenir de bonheur et de paix. Nos lointains ancêtres, cathares et templiers, nous ont montré le chemin. C'est à nous de choisir.